Labro, unis à la vie et à la mort avec un homme, un nom, un géant, Johnny Hallyday. Certes. Et aujourd'hui, Philippe, c'est cette chanson-là, 1970. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gars. Il doit fumer de la marijuana. Oh là là. Avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Qu'on aille jusqu'au bout comme ça du couple. Jésus-Christ est un hippie. Ouais. Vous écrivez ça en 1970 pour Johnny. Ouais. Vous faites un scandale. Ah oui, absolument. Au point même que la grande radio que je dirigerai beaucoup plus tard, RTL, refuse de le passer. Parce que c'est trop scandaleux. Sauf qu'en face, de l'autre côté de la rue, il y a Europe 1, ouais. Europe numéro 1, et le patron du directeur artistique, c'est Lucien Maurice. Il dit, ah bon, il ne le joue pas RTL ? Eh bien moi, je vais le passer 5 fois par jour. Oui, oui. Non mais vous décrivez un Jésus drogué, bagarreur. Je cite Michel Droit, chroniqueur de droite à l'époque, en Figaro, qui dit, mais c'est blasphématoire. Il faudrait encore expliquer à Johnny ce que ça veut dire, blasphématoire. Il sous-entend que Johnny est trop idiot pour comprendre. Mais c'est... jamais idiot, Johnny. Pardon, jamais. Mais le texte que je lui ai écrit repose sur mon expérience de journaliste. Je suis sur le campus de Berkeley, en Californie, je vois des mots avec les cheveux longs, des fleurs à la main et qui disent « peace and love ». Je me dis « mais c'est christique tout ça ». Et je me dis « si Jésus-Christ était encore aujourd'hui, ça serait un hippie, il vivrait aux États-Unis ». Et je couche sur le papier 20 lignes comme ça, mais dans l'avion du retour. Arrivé à Paris, je les monte à mon ami Eddy Vartan, avec qui j'avais déjà un peu travaillé. Et je lui dis « personne ne chantera jamais ça ». Il me dit « si, si ». Johnny va te le faire. Je te fais la musique, on va le faire. Il dit, je vais mettre de la musique sur ton Jésus-Christ. Oui. C'est ça qu'il dit. Hein. Oui. C'était avant Jésus-Christ Superstar. Hein. On a été des pionniers, hein, parce qu'ensuite, après, il y a eu les grands musicaux américains. On était les premiers à faire ça. Oui. Et bon, effectivement, ça a un peu choqué. La vérité, c'est que c'est pas choquant. Qu'est-ce que je dis d'autre? Oui. Écoutez, écoutez ce que vous dites. Ils mettront notre ami en croix. Attendez, le FBI lui court après et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oui. Le FBI court après. Le FBI lui court après, virgule, je crois. Oui. Virgule. C'est ce que j'ai signalé aux représentants de l'archevêché qui m'ont convoqué pour en parler. Je leur ai dit, attention, vous avez bien lu les mots. Hein, il y a écrit je crois. Hein. Oui. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Labro, bien sûr, bravo, vous allez faire beaucoup d'argent, parfait. Mais était-ce bien nécessaire? Figurez-vous que 20 ans plus tard, je dirige RTL, je reçois des hommes politiques et je reçois Monseigneur Lustiger. Le matin, je leur accompagne à sa voiture, dans la rue Bayard, comme je fais avec tous les invités. Il s'assied dans sa DS, il baisse sa vitre et il me dit, monsieur Labro, était-ce bien nécessaire? Il avait ses fiches. Oui. Et Johnny, ça lui faisait pas peur de chanter ça? Mais non, on considérait que bon, c'était effectivement un petit coup, un choc, mais ça nous plaisait aussi. On aimait la provoque. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, regardez, le premier 45 que vous faites avec lui, on voit un Johnny avec la tête d'un repris de justice. Le oui. Titre, c'est « On me recherche » et « Jésus-Christ ». Et alors, « On me recherche », c'était le contraire de Jésus-Christ. C'est-à-dire, là, il chante, on va l'entendre, un type qui court les routes parce qu'on le recherche, parce que quoi, il est poursuivi par la police. C'est un voyou. Il est recherché, c'est un voyou. Et alors, là aussi, on s'est inspiré d'une très très belle chanson de Bob Dylan et Johnny Cash qui s'appelle Wanted Man. Et d'ailleurs, on s'est tellement inspiré de Wanted Man qu'on a failli avoir des problèmes avec les ayants droit. Mais ils ont été bienveillants. Et donc, j'ai plaqué ce personnage qui est recherché dans tous les États-Unis à un voyou recherché dans les régions de France. Si bien que le Lyonnais, comme il dit Johnny, on me cherche dans le Lyonnais, avec sa voix extraordinaire, ça devient des endroits exotiques. C'est ça, hein, au lieu de dire dans l'Ohio, dans le Wisconsin, on me cherche dans le Lyonnais et en Vendée, écoutez. On me recherche en Provence, on me cherche en Aquitaine et dans toute l'Île-de-France. Et ça, c'était...
C'est vrai, ouais, avec la guitare derrière. Ça balance, on envoie du bois, comme on dit. Ouais, ouais. Et donc là, c'est la rencontre avec Johnny, parce que vous le rencontrez au moment où vous présentez un film. Oui, je présente mon premier film, dont Eddie Vartan, son beau-frère, donc, le frère de Sylvie, fait la musique. Donc je dis à Eddie, écoute, demande à ton copain, à Johnny, de venir voir le film, s'il a envie. Ça s'appelait « Tout peut arriver ». C'est ça. Johnny prétend qu'il m'a rencontré une fois avant dans une boîte de nuit, on s'est regardé et j'avais des boots, des vrais cowboy boots, hein, des Santiago sérieuses, et il me regarde, d'où ça vient ça? Je lui dis, Santa Fe, il me dit. Et je regarde les siens, je lui dis, et toi? Il me dit, San Antonio. On voit l'affiche là de Tout peut arriver. C'est votre premier film, hein, Philippe? Oui, c'est mon premier long métrage. Bon, bref, il voit le film, il aime ça, il m'attend dehors sur le trottoir, la petite rue des Dames Augustines à Neuilly, je m'en souviendrai toute ma vie. Il attend. Tranquille, silencieux, pudique, modeste, et il me dit, voilà, moi j'adore le cinéma, j'aimerais bien en parler avec vous. Et on se met à parler pendant une heure sur le trottoir de James Dean, de Marlon Brando, de Montgomery Clift, d'il y a 15 ans, tout le cinéma américain de l'époque. Et c'est à partir de cet amour commun pour le cinéma et pour l'Amérique, et peut-être pour les Santiago, qu'on est devenus copains. Oui, ça fonctionne tout de suite comme ça, vous vous trouvez. Oui, oui, ça s'appelle des affinités électives, mon cher, ça existe, hein. On ne vient pas du tout des mêmes milieux. J'ai un peu d'éducation, il n'a pratiquement pas. J'ai eu la chance d'être élevé normalement. Lui, il a été élevé dans les roulottes, hein, il s'est baladé partout. Ça ne fait rien. C'est justement les grandes différences qui, selon moi, font souvent les belles amitiés. C'est justement parce qu'on ne se ressemble pas qu'on s'assemble. Et donc, quelques temps plus tard, on a commencé à travailler ensemble. Oui, oui. Alors, vous voyagez beaucoup, vous travaillez Journal du Dimanche, France Soir. Vous allez beaucoup aux États-Unis. Beaucoup. Cette passion-là, et vous en ramenez ce qui se passe là-bas. Ouais. Il y a Woodstock, en France, il y a eu mai 68. Ouais. Et vous en ramenez quelque chose, par exemple, la chanson qui s'appelle « Essayez ouais. ». Vous en ramenez comme ça l'air du temps. Oui, l'air du temps, un peu en avance sur le nôtre, bien souvent d'ailleurs là-bas à l'époque. C'est-à-dire la recherche d'amour, « Essayez ». Hein, puisque vos parents ont échoué, essayez de vous aimer, c'est le thème central de la chanson. Et puis il y a aussi la pollution. C'est-à-dire que bien avant les Français, les Américains m'ont donné la sensation qu'ils se préoccupaient de l'avenir de la planète, de l'environnement. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit Poème sur la 7e. Oui, oui, qu'on entendra tout à l'heure. Mais essayez, faut essayer. Oui. C'est comme ça d'ailleurs que la chanson a été intitulée sur la bande magnétique, parce que là on retrouve dans un magnifique coffret qui rappelle comme ça ces années-là, des photos inédites, des choses absolument formidables. Très beau coffret. Ouais. Faut essayer. Très, très beau. Mais ça, c'est les années 70. Il faut essayer. Oui, oui. Bah oui. Puisque les autres ont échoué, essayez à nouveau. Sinon, c'est pas la peine de vivre. Hein. Il faut essayer. Ce sont des paroles d'une simplicité biblique. Hein. Essayez de vous aimer. Voilà. Oui, écoutez. Ça vous dit que même si ça ne marche pas, il faut quand même essayer. Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. C'est une chanson qui n'a pas été un tube au début. Quoique toutes les chansons de Johnny sont des tubes. Mais je me souviendrai toujours du jour où je viens le voir dans sa loge, je crois que c'est le Palais des Sports, un grand concert, et il me dit, je vais te faire une petite surprise. Parce qu'essayer, il n'avait jamais chanté sur scène. Et là, il a chanté pour la première fois sur scène avec cette formidable musique derrière, parce que c'est très travaillé, l'orchestration. Et très gentiment, bien sûr, il me signait sur scène à ce moment-là. Mon ami Philippe Labro a écrit. Oui, c'est une amitié totale, hein, totale. Sans conflit, sans aucun problème, jamais, jamais. On a vécu ensemble des années formidables. Alors après, bien sûr, la vie vous sépare, parce qu'on travaille. Moi, j'avais toutes sortes de choses à faire, hein, de mon côté, lui du sien. Mais on a toujours conservé un lien, toujours, toujours. Téléphone, coup de fil, on se voyait de temps en temps. Et surtout, ce souvenir que, début des années 70, on a fabriqué ensemble un paquet de chansons quand même. Ouais, ouais. Et l'album s'appelait « Vie ouais. ». C'est écrit sur les murs, oui. Là. Vous ramenez comme ça, évidemment, il y a mai 68, il y a cette société en plein bouleversement, il y a cette révolution de la jeunesse, c'est écrit sur les murs. C'est-à-dire que je lui ai apporté, je crois,
l'essence de mon journalisme, de mon appréhension de l'époque, de l'air du temps, du contemporain. Jusqu'ici, ce qu'ils chantaient, c'était des chansons d'amour, des, ce que vous voulez, du rock'n'roll, du yéyé. Je les fais sortir du yéyé, grâce à ce travail qu'on a fait ensemble. Avec en particulier cet album entièrement fait à Londres, qui s'appelle Flagrant Délit, et où, là-dedans, il y a effectivement tous les thèmes de l'époque. La jeunesse, la pollution, la violence, la nature, l'amour, tout ça sous le prisme de l'actualité. J'ai apporté, je crois, le journalisme et un peu de littérature. Ouais, écoutez. Très politique, là. Peut-être un peu, oui. Mais enfin, disons, un peu engagé. Oui. Ben oui, moi, je subissais aussi l'air du temps. Hein. On est dans les... Enfin, on a que, si je veux dire, on est conséquences, dans les séquelles de mai 68. J'ai un peu succombé. Ouais. C'est un Johnny barbu, avec un... On le voit, là, sur les photos, là. Oui, c'est un Johnny jeune, plein d'énergie. Il a toujours eu, d'ailleurs, l'énergie. Et plein de convictions, et surtout, je sais, il me l'a dit d'ailleurs, à quel point, grâce à ces thèmes, à ces paroles, on est en train de vivre un tournant. Alors ensuite, il y a eu le grand tournant Goldman, le grand tournant Berger, hein, je ne prétends pas être... Mais il y a ce passage-là. Oui, vous faisiez allusion à une chanson, oui, complètement à part, poème sur la 7e. Oui. Alors, signé Philippe Labro et Beethoven. Oui. Carrément, vous êtes bien accompagné. Oui. Vous avez trouvé un bon musicien, c'est Beethoven. Oui. Et ça donne ça. On l'écoute quelques instants parce que Johnny, qui parle avec cette voix, c'est la première fois à l'époque, ça ne s'est jamais fait. Cette plage, c'est vrai. Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc ? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes ? Dans le creux de chaque dune, j'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière ? Ça monte. Beethoven. Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Allegretto de la 7e de Beethoven. Ouais. C'est un thème qui a Johnny été, c'est un thème qui a été énormément utilisé depuis. Mais on a été un des premiers à s'en servir pour autre chose que la symphonie elle-même, quoi. Très connu. Mais là, ça me permettait d'apporter, c'est moi qui lui ai suggéré, et Eddie a réduit un peu la durée de ce mouvement, parce que c'est un des mouvements de la 7e, de mettre sur ces paroles qui disent quoi, en gros, hein, c'est l'histoire d'un homme, dans les années 2500, hein, qui découvre qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Et il dit, mais est-ce que ça existait vraiment ? Ok. Donc j'ai écrit ça, là, très sérieusement. Et quand je lui ai apporté, il m'a dit, mais je ne peux pas le chanter. Je lui ai dit, tu ne chanteras pas, tu vas le dire. C'est un poème, tu vas le dire. Mais je ne sais pas dire des poèmes. Je lui ai dit, arrête, tu peux tout dire. Surtout, je vais te mettre derrière toi quelque chose qui va te stimuler. Car quand vous avez derrière vous l'Allegretto de Beethoven, bah, ça vous transporte. C'est vrai, vous c'est montez vrai. D'un cran. Ouais. C'est vrai qu'il ne voulait pas le dire, alors vous avez pris vous. Non, le alors on s'en retrouve. Bah, je vais te montrer ouais, comment ça se retrouve en studio. Il me montre-moi. Toujours pareil. Bon, je mets le casque, j'ai le texte, et j'ai Beethoven derrière moi, et je me la joue. Je crois que je suis très bon. Et je lis le texte, et à un moment donné, il m'arrache le casque. Je me dis, allez, donne-moi ça. Il remet le casque. Et là, c'est Johnny. Ouais, ça donne ça. Sans vraiment exister. Vraiment. Ça a vraiment existé. C'est un tragédien, là. C'est là l'acteur. Parce qu'à l'époque, il tourne Le Spécialiste, un petit western. Et là, en fait, on sent... l'acteur qu'il peut être. Mais il a tout fait, il a tout essayé. N'oublie pas qu'il y a aussi, à un moment donné, ils ont fait Hamlet avec je ne sais plus qui d'autre, d'ailleurs. Et puis, effectivement, il a fait du théâtre, Johnny. Il a quand même joué du Tennessee Williams. Hein.
et puis des films. Ouais. Donc il y a chez lui une capacité de se projeter autrement que sur scène. Néanmoins, je pense que quand il est sur scène et qu'il donne ce qu'il donne au Palais des Sports, au Stade de France, là il est lui-même et il adore ça. Ouais. J'ai toujours considéré que Johnny avait eu des heures heureuses et malheureuses, mais que quand il était véritablement heureux, c'était sur scène, quand il chantait. Oui. Parce que c'est comme la boxe, quand vous êtes sur scène, vous ne pensez à rien d'autre qu'à délivrer. Et oui. La boxe, c'est pareil, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Le type en face. Et là, il a en face de lui tous ceux qu'il aime, et il aime être aimé, et il leur envoie son talent, son énergie, son art, sa vigueur, et la qualité de sa voix. N'oublions pas la voix de Hallyday, comment d'ailleurs elle a évolué avec les années. Elle a pris de plus en plus d'ampleur et de puissance. Mais, néanmoins, il peut aussi être très doux. Il peut chanter des mélodies. Hein. Et là, quand j'ai écrit aussi La fille aux cheveux clairs, c'est une petite mélodie comme ça. Ouais, hein. On va l'entendre. Un peu style Bob Dylan. Il ouais, y a ça aussi, oui. Il y a la tendresse. Oui. The Girl from North Country. Ça, ça, c'est ça aussi qui m'a inspiré, d'ailleurs. Il y avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant. Nous étions à la fin du jour. Attendez. Et j'avais longtemps voyagé. Écoutez ça. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. J'adore fatigué. Des cendres dans la bouche. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. Quelle idée qui peut dire ça comme ça. Il le dit comme un comédien. Oui, oui. Ah non, mais c'est extraordinaire. Effectivement, il y a cette influence américaine. On oui. sent bien, de country oui. américaine, oui, très oui, fort, bien, dans bien ces années-là. Oui, oui. Oui, moi, toujours. L'Amérique l'a beaucoup influencé. Et Presley l'a beaucoup influencé. Mais pas seulement Presley. La chose américaine. La civilisation américaine, la culture américaine. Oui. Vous, vous lui ramenez, pour ramener, par exemple, Silent Spring de Rachel Carson, des oui. États-Unis, qui vous inspire aussi. À cette époque-là. J'étais inspiré par des écrits américains qui nous annonçaient ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en train de foutre la nature en l'air. Ils l'annonçaient il y a maintenant près d'un demi-siècle. Hein. Bon. Et donc, ça m'a forcément inspiré. Moi, je suis journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste ? Il absorbe l'air du temps. Et s'il est aussi un écrivain, ce que je prétendais être, eh bien, il le restitue. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Vous étiez, vous, un fils de bourgeois. Johnny était un fils oui. de personne. Oui, fils de personne. On va le dire, non mais c'est vrai. Oui, non mais Johnny il a vécu dans les roulottes. Hein. Moi j'ai vécu chez mes parents. Hein. Oui. Et comment tous les deux, ça fonctionne parce que... Ça fonctionne parce qu'on a aimé ensemble la même chose. L'Amérique, le cinéma, la musique, la sape, un comportement. Ça s'appelle, Goethe avait trouvé l'expression, des affinités électives. D'un seul coup, on se trouve des affinités. Et c'est justement parce qu'on ne se ressemble pas qu'on finit par être tout à fait en osmose. Oui. Et il trouve chez moi ce qu'il cherchait peut-être, c'est-à-dire un tournant intellectuel, hein, artistique, esthétique. Et moi, je trouve chez lui une occasion de m'exprimer et de faire ce que j'ai jamais fait, parce que les paroles, j'en avais jamais écrites, moi. Enfin, si, j'en avais écrites, mais pas pour une chanson. Déjà un peu des bouquins, des articles, tout. Mais là, c'est une découverte commune. Hein. Oui, oui. Alors, une chanson qu'il va chanter jusqu'à son ultime concert, ouais. Signé Philippe Labro, c'est celle-là. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Non, non. Non, laissez, remettez le fils de personne. Ah, c'est dommage. Bah, tu vas monter. Hein ? On va faire oui, on va le remonter. Ouais, remets-la, ouais. Non, pas celle-là. Ça, c'est Sarah, ça. C'est pas mal aussi, ça. On verra après. Fils de personne. On va la laisser passer un peu pour qu'on attrape la chanson. Creedence Clearwater. Ils ont l'âme guerrière, mais pas
va décliner. Je ne suis pas né militaire, la deuxième partie c'est je ne suis pas né fonctionnaire, je ne suis pas né milliardaire, je suis le fils de personne. C'est une extraordinaire épopée, si vous voulez, c'est sa vie. Oui. Hein? Sauf qu'il a été finalement très riche, hein? Mais il n'a jamais été fils de militaire, ni de fonctionnaire. C'est toujours considéré comme le fils de personne, Johnny. C'est-à-dire que oui et non, oui, parce que son père ne l'a jamais traité comme un père doit traiter un garçon. Il a eu des moments très difficiles, une enfance très malheureuse, quasi celle d'un orphelin, pratiquement. Il avait une mère, malgré tout. Et puis, il a eu aussi Lee Hallyday, son cousin éloigné, qui l'a beaucoup aidé. Donc, il a été aimé, c'est pas la question, mais la base d'un équilibre pour un être humain, c'est quand même d'avoir une enfance à peu près douce, agréable, et où on peut faire ses études. Son père l'enfermait dans un placard pour pas qu'il aille à l'école. Il m'a raconté ça un jour, les larmes dans la voix. Il avait jamais raconté ça. Son père l'enfermait dans un placard, parce qu'il voulait pas qu'il aille à l'école. Donc, vous vous rendez compte? Donc effectivement, d'une certaine manière, le mot « fils de personne », le titre peut s'appliquer à ce qu'il a pu vivre. Ouais. Il parlait de ça, de cette enfance. Il vous en parlait, non, en amitié. Non, pas beaucoup. C'était un garçon d'une grande pudeur. Bon, il avait beaucoup de confiance en moi et il m'a fait pas mal de confidences. Mais il préférait ne pas trop revenir dessus. Il préférait parler de son boulot, il préférait parler de ses idoles, de ses icônes, du cinéma américain, de la chanson, de ses copains, ses amours, de ses difficultés, de sa peur de la nuit. Il aimait la nuit, mais il en avait peur aussi. Oui. Et son obsession de la mort. Tout ça, d'accord. Le père, très très prudent, très discret, très pudique. Oui. L'obsession de la mort, il y a un côté James Dean, qu'il admirait beaucoup. Il y a un côté, il faut vivre vite et mourir jeune. À cette époque-là aussi. Je ne crois pas qu'il veut mourir jeune, mais vivre vite, ah oui, ça oui. Vivre vite et fort. Hein. Parce que quand même, c'est un survivant. La plupart des grands rockers et de tous ces artistes-là, vous parlez de James Dean, mais il n'y a pas que lui. Hein. Jimi Hendrix, Buddy Holly, tous ceux qui sont morts dans des avions aux États-Unis, ça n'arrêtait pas à une époque. Hein. Ils tombaient tous à un certain âge. Et quand ils ne mouraient pas d'accident d'avion ou autre, c'était d'overdose. Johnny, il est passé à travers tout ça. Johnny, pour moi, c'est le survivant. Ouais. Il y a Mick Jagger. Lui aussi, c'est un survivant incroyable. Et puis Paul McCartney, ils sont 3-4 comme ça, qui ont survécu à toutes les irrégularités, à tous les déséquilibres, à toutes les fautes qu'ils ont pu faire, ce qu'ils aimaient faire d'ailleurs, mais enfin, tous les excès. Ils sont passés à travers ça. Johnny est un survivant. Oui. Vous lui faites chanter, il faut boire à la source. Oui. Et alors qu'en quelque sorte, on se dit, oui, c'est pas exactement la vie de Johnny, ça, boire à la source, mais au fond, à la source de la vie. Oui, mais la source de la vie, pour lui, ça pouvait être aussi le vin, le scotch, la vodka, ce que vous voulez. Ou la drogue. Est-ce qu'à cette époque-là, déjà... Oui, il a un peu touché à tout, oui. Un peu. Mais... N'oubliez pas que par ailleurs, il s'occupait beaucoup de son corps. Il faisait de la muscu tous les jours. C'est un athlète, Johnny Hallyday. C'est aussi pour ça qu'il survit. Parce qu'il s'est bien occupé de son corps. Il a su véritablement tout le temps faire des exercices, faire de la salle. À une époque, il se comparait avec Jean-Paul. Il était très copain avec Belmondo, qui lui aussi a toujours fait de la salle. Parce que ça vous permet de survivre et de tenir à travers tous vos excès. Oui. Donc. Oui. Oui, mais les excès qui le faisaient parfois tomber sur scène, tomber d'épuisement, tomber de... Voilà, il donnait tout au public aussi. Mais il aimait ça, ouais. Il me fait rire, bien sûr. Il roulait vite, en voiture, avoir des accidents. Bah, oui, mais il cherche pas l'accident. Mais il cherche la vitesse, oui. Mais pas l'accident. Ouais. Faut boire à la source, écoutez. Ouvre quand t'es bras. Génial. C'est génial, mais en tout cas, ça correspond totalement. C'est gospel quelque part, il y a quelque chose. Oui, puis il y a des voix derrière, oui. Tout ça vient très travaillé. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, tous ces albums qu'on a fait ensemble, enfin ces albums qu'on a fait un ou deux, hein, toutes ces chansons, c'est grâce aussi à des formidables musiciens, c'est Gary Wright, Tommy Brown, Mickey Jones. Hein. Ouais. Ce sont trois garçons pour qui j'ai une admiration, une fidélité, une amitié inouïe, parce qu'ils m'ont apporté
la possibilité sur leur musique, sur leur mélodie, de mettre mes paroles. Ouais. Il y a un album qui va arriver tout de suite après l'album Vie, c'est celui-là, oui. Flagrant délit. Flagrant délit. Une pochette absolument incroyable. Incroyable. Hein. Et un titre que là aussi Johnny chantera, mais jusqu'au bout, les plus grands tubes qu'il vous doit, Philippe Labro, oui. C'est Sarah. Pourquoi ah. Sarah ? Mais parce que Tommy Brown et Mickey Jones me donnent une musique et ils ne mettent pas de paroles dessus, simplement ils appellent ça Gentle Sarah, c'est tout. Gentille Sarah, jolie Sarah. Je me suis servi ces deux mots, ces deux termes, pour inventer un homme qui est en train de dire à une jeune femme « Donne-moi ton corps, s'il te plaît. » Et une fois qu'elle lui a donné, il lui dit « Merci pour ton effort. » Ce qui est absolument immonde. C'est immonde, ça. Si, aujourd'hui, on vous met en prison. Pour moins que ça, la cancel culture, on vous met tout de suite en prison. Mais bon, mais il y a un rythme extraordinaire. C'est très bien construit. Il y a les voix derrière. Et il a adoré Sarah. Et ça a été un tube incroyable. Il l'a chanté tout le temps. Hein. C'est avec Fils de personne, Sarah, ce sont mes deux titres que Johnny a, auxquels Johnny a toujours été fidèle. Écoutez, Sarah. Car tout change et tout casse et tout passe et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Et je ne suis pas. C'est immortel. Ça, c'est totalement immortel. Hein. Je sais pas. Ouais. C'est vrai, moi, je suis très copain avec Nagui. Nagui m'a toujours dit quand même, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites dire ? Merci pour ton... Tu m'as donné ton corps, merci pour ton effort. C'est immonde, c'est scandaleux. Mais c'est le cynique qui, effectivement, tombe une fille, une fois qu'il a tombé... Ouais. Pas dire que Johnny tombait les filles à l'époque. Il en tombait quelques-unes, oui. Ouais. Non, mais... Sylvie n'était pas la seule. Non, bah, c'est pour ça que ça finit par se casser entre deux. Sauf qu'il est toujours resté entre eux, et il reste encore, même de la part de Sylvie, une extraordinaire fidélité, un très grand amour. C'est l'amour de sa vie, hein, pas d'autre. Hein. Il n'y en a pas eu d'autre. Si, il y a eu Laetitia, bien plus tard. Oui. Mais une très grande partie de sa vie, c'est quand même Sylvie Vartan. Oui, même Janet Walkman, qui l'amène dans les plaisirs Nanette interdits. Walkman, une folle absolue, une hystérique absolue, d'accord, avec qui il a fait toutes sortes de choses. Mais des conneries, on peut oui, dire. Bien sûr, des bêtises. Ben oui, il n'arrêtait pas de faire des bêtises. La seule façon de combattre cette pulsion de bêtises et d'excès, c'était de revenir sur scène et de chanter. Quand il ne chante pas, il lui arrive de faire des bêtises, oui, comme à beaucoup d'artistes. Hein. Ouais. Quand il regardait sa vie, il pouvait se dire, ouais, j'en ai fait des conneries. Oui, mais je ne crois pas qu'il contemplait beaucoup le passé. Il n'aimait pas vivre avec le passé. Il était dans le présent tout le temps et il se projetait un petit peu en disant « Qu'est-ce que je vais devenir ? Comment je vais finir tout ça ? Comment ça va se passer ?» Et puis, il y a eu le grand tournant quand il rencontre Laetitia et puis qu'ils adoptent des enfants. Et d'un seul coup, c'est un autre Hallyday. Hein. Hallyday par rapport à ses filles, c'était... Johnny, c'était bouleversant, de tendresse, de gentillesse. Enfin, il avait fabriqué un semblant de famille. Et il l'avait eu avec Sylvie. Et David, bien sûr, mais il y avait eu des grands passages de vide. Et d'un seul coup, il y a ce rebond. C'est le ballon de rugby, hein, la vie d'Hallyday. Ça rebondit tout le temps, et parfois dans d'autres sens, quoi. Le problème, c'est d'arriver à la rattraper. Ouais, ouais. Une des dernières chansons, d'ailleurs, que vous écrivez pour lui, s'appelle ouais. Pardon. Oui. L'album c'est 100%. C'est grâce à David Hallyday. Ouais. C'est 100%, c'est l'album qu'a produit David, très très bien. Et David m'a demandé de faire une chanson qui s'appelait Pardon. Il m'a donné le titre. Oui. Mais pardon, ça veut dire beaucoup de choses. À ce moment-là, dans la vie de Johnny, dire pardon. Ben oui, mais on peut dire pardon à beaucoup de choses. Oui, on a fauté, on a péché, on a fait des erreurs, on s'est trompé, on a été trompé. On se trompe sur les gens, on se trompe sur la vie peut-être. Donc, c'est un pardon qu'il demande, effectivement. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, cette chanson, parce que David, c'est un type très exigeant, remarquable producteur. Moi, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour David Hallyday. Il a réussi à ne pas être le fils. Il est qui il est, OK ? Mais quand il produit ça, il venait me voir, il me disait, non, cette version, ça va pas, c'est pas pour Johnny. Johnny m'en parlait même pas, c'est David qui venait me voir. Je disais, bon, mais oui, change, c'est pas tout à fait ça. Il sentait ce dont son père avait besoin. Et j'ai dû écrire, c'est la première fois. Toutes les autres chansons, on discutait jamais. On les prenait, pof, on les enregistrait. Et celle-là, il y a eu du travail. Ouais, ça donnait ça, écouter la voix de Johnny. Pardon pour tous les hommes,
C'est absolument extraordinaire. Les paroles sont absolument incroyables. Je ne sais pas si elles sont incroyables, mais ce qui est incroyable, c'est la manière dont le livre. C'est toujours pareil. On écrit les paroles qu'on peut. Je ne suis pas un très grand écrivain, ce n'est pas la question. Je sais trouver les mots. Bon. Mais ce que j'admire et ce que j'aime, et ce qui me rend fier d'ailleurs, avec le recul, c'est comment il les interprète. C'est un immense interprète. Et on finit par les lui attribuer. C'est pas lui qui a écrit, pardon, c'est moi. Ça fait rien, c'est Hallyday. Ouais. Il vous manque, Johnny. Ben bien sûr qu'il me manque, il manque à tout le monde. La preuve, quand tous ces vinyles qui ressortent, là, toutes ces rééditions, tout ça et tout, à chaque fois, il y a un flot de curiosité, une envie des gens. C'est un des rares artistes, pour l'instant, hein, ça fait quand même, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a une postérité parfaite. Vous avez des grands chanteurs, compositeurs, interprètes, ce que vous voulez, dont on ne parle plus, qu'on n'entend plus. Et c'est une injustice. Hallyday, ça dure. Alors, est-ce que c'est générationnel et que ça durera le temps de la génération qu'il a aimée, qu'il a soutenue, qui est venue par un million pour son enterrement à la Madeleine? Est-ce que ça durera au-delà de ces générations-là? C'est toute la question. Oui, oui. On va réentendre Pardon en se quittant, Philippe. Oui. L'album, à l'époque, s'appelait Vie. Oui. C'est un titre pour Johnny, la vie. Pour nous tous. Pour tous. Mais lui, la vie, c'était 3000 vies dans une seule. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est... La vie, pour lui, c'est l'énergie, l'audace, une certaine grâce. Hein. Je pense qu'il a de la grâce à l'hiver. Il est habité. C'est l'amitié, sans aucun doute. L'amour, bien sûr. C'est tout essayer. Et c'est savoir que, comme on n'en a qu'une, il vaut mieux la vivre à 100%. Voilà. Ouais. Quand il nous a quittés, vous l'avez raconté à la Madeleine, il s'est tourné ses yeux vers le ciel. C'est ce que m'a raconté Laetitia. Ils m'ont demandé, ils m'ont appelé un jour en me disant, voilà, c'est toi qui vas faire le discours après le président de la République. J'ai dit, quoi? Oui, oui, le président parlera à l'extérieur et dans l'église, tu seras le premier. Il y aura plusieurs discours où on te demande d'être le premier. C'est un honneur que vous me faites, mais dans ces cas-là, il faut que je voie Laetitia. Ben oui, ben viens la voir. Donc on prend la voiture, on traverse sous la pluie les Yvelines, on arrive à Mandes-la-Coquette, et là, je vois Laetitia, je lui dis, raconte-moi un petit peu. Donc elle m'a raconté les derniers moments. C'est elle qui m'a dit, il a levé les yeux au ciel. Ça m'a frappé. J'ai dit à Laetitia, d'ailleurs, écoute, je voudrais le voir. Elle m'a dit, très bien, on appelle le Val-de-Grâce, il était déjà au Val-de-Grâce, j'y suis allé. Et donc je me suis retrouvé... Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que c'était sous la pluie, la nuit, et vous aviez des centaines de gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, sous la pluie? Rien. Ils étaient là pour tourner. Et au Val-de-Grâce, il y avait, comme ça, avec des gendarmes partout, comme si c'était la mort d'un chef d'État, hein, et vous aviez des gens comme ça, qui étaient disséminés sous la pluie, qui attendaient quoi? Rien. Ils ne verraient jamais rien. Bon, moi, on m'introduit dans le salon funéraire, et donc j'ai mon ami qui est là... dans son cercueil, et c'est bouleversant parce que on lui refait un peu le visage, hein. On avait un peu enlevé les rides, tout ça, on lui avait mis une petite moustache. À la limite, je ne reconnaissais pas sa dimension, sa puissance, son physique avait un peu disparu. C'était très très touchant. Je voyais plutôt un enfant, tout habillé comme ça, on lui met une petite cravate, vous savez, les cravates western là, comme ça, un peu le fil comme ça. Et bon, évidemment, j'étais bouleversé, je me suis penché vers lui, j'ai pas voulu le toucher, et je suis parti. Mais c'est pas pour moi ce que je retiens de lui. Le visage de Johnny, c'est quand il est sur scène et qu'il éclate, et qu'il nous envoie tous ailleurs avec la manière incroyable qu'il a d'interpréter. Et j'en reviens toujours à ça, à sa voix, à sa puissance, à la richesse de son corps. On va se quitter, Philippe, avec Pardon. Johnny, ouais, souvenir quand même. Oui, bien sûr. Un truc, oui, oui. Toujours. Ah ouais, c'est un grand moment, ouais, pour moi. Plus qu'un grand moment, c'est des beaux chapitres de ma vie. Ouais, regardez comme il est beau, là. Ouais. Merci. Voilà, l'album s'appelle Vie, hérédité, la rencontre avec Philippe Labreau de Johnny en 1970. Merci, Philippe. Je vous en prie. L'amour.